Bonjour, bonjour à tous. C'est la GP. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Duraiman pour l'épisode 9. Donc, on va faire aujourd'hui deux petits niveaux. Deux petits niveaux. Mais avant tout, on va quand même gratter tous les trucs qu'on a eu dans les précédents niveaux. Car je sais plus si je vous l'ai dit. Mais dès que tu termines un monde, tu gagnes 5 tickets en plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai aussi ouais plusieurs messages. Donc on va gratter. Pour l'instant on va gratter, on gratte, on gratte, on gratte. Ok, donc là on a une petite créature. Ok, là on est à un tableau de Rayman Origin. Qu'on fera, ne vous inquiétez pas, on le fera. Je pense que ça compte dans Rayman Legend. Je pense qu'on le fera dans Rayman Legend. Voilà, Nickel Chrome. Ok, là on a eu des Looms, donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas mal les Looms. Ok, là on a eu une créature. Encore une créature. J'espère que la série vous plaît toujours autant et on va commencer par le niveau gros canard. Gros canard, ouais, comme vous pouvez le voir là. Et on prend le petit cœur de début, comme ça on a une petite vie. Ok, donc on a un canard, donc déjà c'est marrant, on a un canard, hein. Et hop, ok, Globox aussi est un canard. Donc on va libérer Murphy. Et la musique est cool, je trouve. La musique est assez cool. Vas-y, voilà, nickel Chrome, Globox il est passé. Donc, pour ceux qui viennent de. Bon, je vous rappelle le principe, il faut avoir 600 looms, c'est libérer tous les petits êtres. Et avoir le coffre. Avoir les ouais, 600 looms, c'est avoir tous les petits êtres. Et je termine bien sûr tout le jeu à 100%. Hein. Et j'ai fait une couille. MDR, j'ai fait une couille. Vas-y, va chercher ton truc, Nickel Chrome, voilà. Ça permet de rater ce qu'on. Voilà, récupérons les petits looms. Et j'ai loupé le dernier. Bon, voilà. Donc c'est pas très grave. Avec un petit tête qu'il ne faut pas surtout foirer. Voilà, Nickel Chrome. Maintenant tu peux descendre. Hein, voilà. On s'en fiche un petit peu. Ok. On a un portail là-haut. Je pense que ça se voit clairement. Ok, d'accord. Celui-là, je m'en souviens, il est assez chaud pour y arriver. Il faut passer par la lave. Ah oui. Ah non, bah en fait, ça a l'air en fait. C'est pas super chaud non plus. Il faut juste un peu la technique. Bah voilà, c'était ça la technique. Donc, on continue notre petite aventure dans du gâteau. Ça doit être du gâteau, hein. Et là, on saute sur des tomates. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Sauf que là, j'étais un peu en train de m'endormir là. Vas-y, fais une belle petite empente. Allez, avance, bordel. Bon, on s'en fiche. Ok, le canard, il est. D'accord, il est mort. Le canard is dead. Bordel à cul. Il est tombé, donc bah voilà quoi. Et saute, bordel! Eh, il est con ce canard ou quoi? Faut qu'il saute le canard. Il est bête le canard. Il faut qu'il saute le canard.
Bah, nickel chrome. Récupérons le petit nickel chrome, la petite boîte. Récupérons un petit être et tuons ces deux mosquitos. Un petit cœur qui ne fait pas un petit de looms. On en a 412. Dites si vous aimez la musique, parce que moi je l'aime la musique. Et c'était un fail. Parce que je me suis fait toucher. Et je me suis mort. D'accord, je suis mort, c'est un fail. Voilà. Voilà, que des fails. Hein. Ça se complique, c'est le niveau 3 aussi. Hein. C'est le monde 3. Hein. Faut que ça se complique aussi. Hein. Hop, tu meurs, nickel chrome. Ping ping. Le décor qui est joli aussi hein, dans ce jeu. Et j'ai fait un écart, j'ai fait un trou beaucoup trop grand. D'accord. Mais bon, d'un côté, c'est un canard. Pourquoi il peut pas voler le canard? Pourquoi il ne peut pas voler ce canard? Vas-y, saute. Voilà, nickel chrome. Bon, les petits êtres ne sont pas très difficiles à attraper, hein. Ils sont même super simples à attraper. Ok. Essayons de... Non, mais le canard, mais bordel. Et ce canard, il est bête. Ce canard, il est bête. Et j'ai fait un écart trop grand, bien sûr. C'est le seul... Petit souci de ce niveau de l'ordi qu'on contrôle, c'est que quelquefois l'ordi fait ce que tu veux pas que faire en fait. Par exemple, ce couillon il tombe et il meurt. Voilà, voilà. Donc voilà, c'est le seul petit défaut, c'est que l'ordi a une trajectoire bien précise et il faut que tu la suives. Et c'est pas comme s'il y avait un deuxième joueur qui contrôlait Globox. Donc il faut faire gaffe à la trajectoire. C'est ce qui est assez chaud. C'est pour ça que je galère. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va l'avoir. Nickel chrome. Donc, énième chance. On va essayer de l'avoir cette fois-ci. J'espère qu'on l'aura. Hein, parce que sinon. Non mais il est toujours en train de mourir. Vas-y, non. Il est mort au dernier piquant. Le mec, il avait juste à se décaler, voilà. Quand je vous ai dit que l'ordi, il était mal foutu là dans ce jeu. Même si c'est un jeu très bien, hein, parce que sinon je vous aurais pas fait comme Let's Play. Voilà. C'est juste le petit défaut. Donc on a enfin eu le petit être. Nickel chrome. Donc on a 600 looms, on a donc la coupe en or. Là aussi, c'est un passage assez chaud quand même. Parce qu'il faut bien prendre la trajectoire de... Il faut bien faire sa trajectoire parce qu'à certains moments, là, on est passé juste quand même. Oula, il a eu chaud là. Le oiseau, il a failli se faire écraser par... par l'espèce de plomb là, avec des piquants. Et là, on est en train d'avancer sur des plaquettes de beurre, allez comprendre pourquoi. Donc, on a terminé ce niveau. Avec 773 looms. On passe large, entendu. On passe super large.
Donc on va gratter en même temps les petits le jeton qu'on a eu. Et on va partir donc pour le deuxième niveau qui se nomme Pourigaté, d'accord. Donc en fait, on a compris que ce monde se résumait à la bouffe. Hein. Je pense qu'on l'a clairement compris. Hein. Je me rappelle que ce niveau est assez chaud pour récupérer les 600 looms. Le plus chaud, c'est pas celui-là. Le plus chaud va venir dans le prochain monde. Donc on saute sur les tomates avec des courgettes. Le truc c'est des courgettes je pense. Des courgettes et des concombres. Hop, on a déjà pratiquement 100 looms. Pas mal. Hop, voilà, nickel chrome. Et on avait la première porte qui est ici. Allez, hop, go. Ok, faut tuer, faut tuer, faut tuer. Hop, et ping. Hop, et hop, et hop, et youhou. C'est assez chaud, quand même. Bon, une épreuve assez cool, assez cool. On est assez rapide et on peut tuer les ennemis, ouais. Enfin, c'était une épreuve cool pour récupérer ce petit être-là. Je vous rappelle que vous pouvez donner votre avis dans les commentaires sur le jeu ou sur ma vidéo en général. Hein. J'accepte tout commentaire. Hein. Et d'ailleurs, il y a même des commentaires qui me servent et qui me permettent d'améliorer une vidéo. Comme par exemple l'épisode 5 de Monster Lab, qui n'est pas encore sorti, mais qui va sortir dans la semaine prochaine. L'épisode a un nouveau format, il est passé en pratiquement 16 deuxièmes. Le format est agrandi à la demande d'un abonné, enfin pas d'un abonné mais d'une personne qui a regardé l'épisode 2 de Monster Lab qui a dit agrandis ta vidéo. Donc je me suis dit, mais attends, on peut pas avec Pinac, je peux pas agrandir le montage, le format de truc, et effectivement j'ai vu qu'on pouvait agrandir le truc, donc voilà, donc ça donc quelquefois les commentaires sont super utiles sur YouTube et permettent aussi de m'améliorer en vidéo. Et là je vais bientôt mourir, hein. Donc remontons, parce que de mémoire on a, ah bah non, non non non, on a un truc ici. Ok, le ballon. Le ballon. Oui, là j'étais en train de faire du jonglage, hein, et de comprendre pourquoi. Mais c'était pour mieux me cadrer pour tirer. Oula, j'ai fait mourir. Heureusement, j'avais un cœur. Hein. Là, j'étais tout simplement en train de voir s'il n'y avait pas un cœur qui traînait quelque part. Que de mémoire, il y avait un cœur qui traînait quelque part. Je crois que sinon c'était pas là. C'était où j'avais un cœur qui traînait quelque part? Non, on n'avait rien. Il n'y a aucun cœur qui traîne quelque part. J'ai failli encore mourir. Heureusement qu'en étant petit, on peut voler. Enfin, on peut prêter. Bon, on vole pas vraiment, mais on peut faire des petits coups qui permettent de faire semblant qu'on vole.
Donc là, en fait, j'étais en train de voir si j'avais strictement rien oublié dans tous les dans les recoins. Donc non, effectivement, on n'a rien oublié, hein. Effectivement, on n'a strictement rien oublié. Donc, hop, on y go. Donc toi, tu meurs, le Marichu. Hop, récupérer le petit être. Les plaquettes de beurre. Non, il y a un couteau, donc c'est pas bon pas d'aller par là. Les couteaux, tous les objets de cuisine, les trucs des aliments sont servent comme comme décor. Hein. C'est, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. Un décor assez bien. Ça va bien dans le style de Rayman Legends, je trouve. Donc, visitons cette pastèque. C'est clairement une pastèque. Hein. Parce qu'en plus il y a un petit être, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas passer de ce passage. Hein. Tout le c'est ici, il y a des maréchaux, nickel chrome. Voilà. Mince. Non, 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 non. Pourquoi on peut pas? J'ai oublié de. Bon, c'est pas grave. On peut pas récupérer. Oh! Aussi, j'ai réussi. Voilà, je voulais avoir quand même les petits looms. Parce que c'est des looms qui peuvent servir. Hein. Parce que là, mine de rien, on est à 150 de l'or hein. Et les niveaux est presque terminé, donc c'est assez chaud pour tous les avoir. C'est pour ça que je fais bien attention à tout récupérer les looms. Quelquefois, il y a des niveaux qui sont en dax pour tous les récupérer. Donc voilà. Bon, là, on a clairement vu qu'il n'y avait plus rien. Donc on continue. Voilà. On tue aussi des ennemis qui nous permettent de aussi récupérer des looms. Hop. Récupérons le petit cœur qui nous permet aussi de récupérer des looms. Allons dans la pomme. Voilà. 10 petits looms en plus. Ça se néglige pas. Ça ne se néglige pas du tout. Et je viens tout le monde. Bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas super grave qu'on s'est fait toucher. Voilà, donc il y avait pratiquement deux petits êtres pratiquement au même endroit. Hein. Et on a terminé tous les petits êtres. Donc voilà. Et maintenant, faut pas se foirer. C'est assez chaud les saucisses là. Les gnacs. Voilà, c'est bon, on a réussi. Et hop, on va rentrer. Oui, en fait, si j'avais pas les 600, c'est parce que je savais qu'il y avait 5 looms qui sont donnés gratuitement. Donc voilà. Voilà, cet épisode va se terminer ici. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter cette vidéo, à la faire partager. Ainsi, donner votre avis sur les niveaux. Et sur ce, on se retrouve mercredi pour un nouvel épisode. Allez, bye bye.